Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de l'hygiène intime avec trois ingrédients naturels à l'africaine. Avant de continuer cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager la vidéo autour de vous parce que ça pourra aider des gens qui se trouvent dans la même situation que vous. C'est le but de cette vidéo. Pour la préparation de notre infusion, j'ai le gongoli, les quatre côtés et les feuilles de jika. Vous pouvez faire les captures d'écran. Je commence par plier le gongoli et je mets dans une marmite. Je viens ajouter aussi les quatre côtés que j'ai cassés hors caméra. Je les ai bien lavés, nettoyés, lavé vos produits. Et j'ajoute aussi le jika. J'ajoute 1,5 L d'eau dans mes produits et je vais aller mettre au feu doux pendant 20 minutes. Pour les nourrices, les feuilles de jika ont une réputation de guérir les plaies du ventre et aident à la baisse du volume du ventre après l'accouchement. L'effet de jika est naturel sans effet secondaire à la portée de tous. C'est une sorte d'antibiotique à l'africaine. C'est une arme efficace dans le couple. Il resserre le jardin secret, il atténue et soulage les règles douloureuses, lutte contre les démangeaisons du jardin secret. Il supprime les mauvaises odeurs du jardin secret. Je vous recommande de faire votre toilette intime avec ce merveilleux plante deux fois par semaine. Donc, comme vous le voyez, le produit, je l'ai mis au feu doux. Ça va mijoter pendant 20 minutes et je transfère le produit dans la bouteille. Et pour la conserver, bien évidemment, je vais laisser le produit reposer le temps que ça se tiédit. Et je prends une bouteille vide, bien désinfectée, bien sûr. Vous pouvez rajouter encore de l'eau dans la marmite pour refaire bouillir. Faites bouillir jusqu'à ce que l'eau soit très claire. Quand l'eau n'est plus foncée, ça veut dire qu'il n'y a plus de produit à l'intérieur. Vous pouvez maintenant jeter les ordures. Voilà le résultat final de l'infusion qu'on a eu à faire pour la toilette intime. Vous pouvez l'utiliser tiède et froide.